Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle journée. Hey, aujourd'hui, samedi. Déjà fin de semaine, hey, c'est le fun. Hein? Fin de semaine, moi j'adore ça, là. On peut se prélasser, rien faire, c'est pas vrai. On est toujours en train de faire quelque chose, c'est sûr. Les fins de semaine, on se rattrape de ce qu'on n'a pas été capable de faire dans la semaine. Là, t'sais. Mais quand même, écoute, prends du temps, hein? C'est important, prends du temps pour toi. Relaxer, rien faire, là, c'est un luxe qu'il faut se payer. Hein? Ça, c'est sûr. Fait que, vas-y, fort. Écoute, le sondage continue tout le temps. Hein? On est toujours en train de faire le sondage, j'attends tes réponses, j'attends voir là, qu'est-ce que tu en penses, si vraiment le prix te convient. Puis vraiment, vas-y, parce que là, de plus en plus, il y a des gens. Puis c'est un avantage, hein, tu le sais. Ceux qui répondent à mon sondage, ils vont avoir le prix de lancement, puis en plus de ça, ils vont avoir un mois gratuit. Fait que là, vraiment, là, un coq en pâte. Fait que ça vaut vraiment le temps d'en profiter. Vas-y, vas-y. Écoute, je reçois encore, comme je te dis, des commentaires. C'est merveilleux. J'en viens pas. Je me demande, ils parlent-tu de moi? Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, parce que, écoute, je me reconnais là, dans ce que vous dites, ce que tu dis. Puis c'est vraiment super. Je te remercie beaucoup. C'est fantastique. Écoute, j'ai aussi des objections. Hein? Fait qu'on va parler des objections un peu. Il y en a une qui revient, c'est que on me dit, papa, papa, j'aimerais ça, c'est super, mais j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, moi, de mettre 10$, 15$, 20$ par mois là, là-dessus. Écoute, ce que je te dirais à ça, là, ma première réponse qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de te dire que si tu penses que tu n'as pas les moyens, ça va de prendre 10$, 20$ par mois pour être capable de sauver des centaines de dollars à chaque mois, puis te motiver surtout à le faire, puis à te donner des trucs, puis je vais te dire, là, tu es la personne idéale pour être abonné à Papa Popote. Parce que si tu n'as pas les moyens maintenant, ben, en t'abonnant à Papa Popote, tu vas te retrouver à avoir des moyens tout d'un coup. Ça, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va être surprenant. Parce que c'est certain, certain, certain qu'en ayant l'abonnement à Papa Popote, tu sauves automatiquement de l'argent. Regardez une idée. Écoute, mettons que ça coûte 15$ par mois. Enfin, je fais la moitié, mettons. À 15$ par mois. À 15$ par mois, là, c'est un spécial, un rabais, là, un bon rabais que tu n'aurais pas vu, par exemple, puis que je te montre, puis que tu vas chercher, puis que tu viennes d'économiser tout de suite le prix de l'abonnement pour un mois avec seulement un rabais. Puis moi, je t'en donne à peu près entre 60 et 80 par semaine, puis au moins 4 semaines dans un mois. Je ne sais pas si on était à la même école, là, mais je peux te dire que tu vas rentabiliser ton investissement. C'est pas une dépense, là. On parle ici d'un investissement dans ta propre cuisine, dans ta propre vie à toi. C'est le meilleur investissement. Moi, je pense que tout Québécois, hein, parce que c'est certain qu'il y a même des gens à l'extérieur qui aiment Papa Popote juste parce que ça les motive à faire de la cuisine, ça les motive à faire des repas, à aller faire des épiceries. Mais tu sais, s'ils ne sont pas au Québec, malheureusement, ils n'ont pas la chance que tu as, toi, là, de profiter en plus des conseils précis, pointus, là, des rabais où ce qui se trouve, puis combien qu'on économise et tout, là. Hein? Puis ils adorent Papa Popote pareil. Fait qu'imagine-toi, si toi, tu es au Québec, puis que les rabais que je te parle te concernent, c'est-à-dire tu peux aller les chercher au coin de la rue parce que tu as un IGA, tu as un Maxi, tu as un Metro, tu as un Provigo, tu as un Super C quelque part, que tu peux en profiter. Ben là, je veux dire que tout Québécois qui se respecte devrait être abonné à Papa Popote s'il veut sauver moindrement des sous. Hein? Puis être motivé aussi, parce que c'est bien beau de te donner les rabais, mais c'est le fun aussi de dire, hey, je suis content, là, je suis excité, je m'en vais chercher un bon rabais, je vais faire de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis là, Papa Popote, il te permet de pouvoir vraiment là, te donner le goût, donner le petit feu qui te manque en ce moment là, pour vraiment là, faire que ton budget soit comme ça, facile à faire. Fait écoute. Regarde ça bien comme faut. Pense-y. Prends un papier, calcule, voir est-ce que l'abonnement de Papa Popote versus qu'est-ce que moi je paye, puis le temps que j'y mets. Est-ce que j'y mets, moi, chaque semaine, là, je scrute vraiment? Est-ce que je vois les vrais rabais? Est-ce que j'ai le temps de le faire à chaque semaine? Est-ce que j'ai connaissance vraiment pour voir les vrais rabais puis les reconnaître? Écoute, pose-toi ces questions-là. C'est ces questions-là qui devraient décider à savoir si tu devrais t'abonner à Papa Popote ou pas. Parce qu'au prix que je vais faire l'abonnement, ça va être une super aubaine, je te le dis tout de suite. OK? Ben écoute, sur ça, je te souhaite un super de beau samedi, hein? Une belle journée, une belle fin de semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.